Bienvenue sur plateforme Léona Choa. Jodi a c'est un plaisir gens qui nous gardé déjà dans premier et partie tournage qui va faire ensemble avec plateforme Ban Mon Rail. Moi gen Tony là qui est avec moi et qui c'est un membre fondateur et très actif dans plateforme Ban Mon Rail qui a comme objectif et orienter et former compatriotes yo sur la vie haïtienne dans pays Mexique sur culture mexicaine et la trier. Alors Tony, je dis assez un plaisir pour que nous capables entamer une interview là pendant que n'a roulé pour nous aller dans prochain espace qui nous va faire tournage là. Comment est frère? Bienvenue sur plateforme Léona Choa. Moi très bien frère, vous connaissez, un plaisir pour moi pour me là avec vous et puis pour m'accompagner à le monter de ces deux villes que ou pour qu'on connaît dans ville là et puis tout. Pour nous passer un bon petit moment ensemble, parce que l'IA, c'est ça. Ok, et jeudi à là, nous dans Mexico City. Et c'est la première fois qu'il nous rencontrons dans le tournage là, mais nous connaissons parler déjà. Et là, nous, à travers la plateforme Ban Mon Rail, nous arrivons à faire connaissance. Et c'est un plaisir de collaborer avec nous. Mais moi, je dis particulièrement, je n'ai jamais fait un dialogue avec ni vous-même, ni Volsi. Et vous-même spécialement, combien de temps vous avez pour vivre au Mexique? Bon, moi-même, actuellement, moi, j'ai 11 ans dans Mexique depuis que je suis arrivé au Mexique et bah besoin de 11 ans ça en pile bail fait en pile exploit en pile grand chose fait dans Mexique là. Là pour t'es venu Mexique, dans quel objectif t'es venu Mexique? Bon, normalement m'étais venu en tant que étudiant ici en Mexique, m'étais venu pour m'étais venu étudier en carrière et normalement moi c'est ingénieur civil. Mais parfois on connaît parfois étudiant bail parce que parents ont besoin de diplôme dans mon parce que au fait tout temps à bourriquer payer l'école pour yo besoin un diplôme ba au diplôme ingénieur. OK, mais m'entreprend plusieurs autres bagages encore. Par exemple, donc là moi-même moi c'est un entrepreneur et puis ici en tout dans Mexique moi c'est un acteur. Acteur cinéma ou son comédien. Exactly. OK, yeah. Pas tellement comédien, me fait ça les fiction action. OK, et pour me bien dire mon yoto moi fait que tu fais un film là, un film international avec un paquet de gros acteurs Hollywood. OK. Et Jimmy Jean Louis tout dans film là. On connaît nous même comme Ice, nous tout connaît Jimmy Jean Louis. Oui, il est ensemble regarder un film chéri, comment on les je fais un film de Goto ensemble avec Bruce Willis. Bruce Willis. OK, yeah, la Luna avec ça que c'est. Il pas la Luna, non, c'est pas Detective Knight. Ah OK, il s'est fait plusieurs films ça. Yeah, et bien dans film ça et l'effet sur faire réel. Et par gain en pile sur film ça là le sorti parce que film là basé sur Haïti. OK, c'est vraiment intéressant. Et c'est acteur américain et avec quelques haïtiens tout qui fait mais haïtien qui dans l'autre pays et moi t'ai une personnage tout dans film là. Mais pas capable en pile détail parce que film ça comme les problèmes tu l'as beaucoup dit non. Il pas encore sorti. OK. Et film ça gain on parle de vérité, go paquet bail pas le faire haïtien pas gain bruit. Les films sont sortis. OK. Bon, on est tétan. N'attend dans occasion les films n'ont sorti n'a parlé de ça. Exactement. Et il y a un pile monde qui pas imaginer ta gien haïtien qui gien tout temps ça à vivre ici dans pays Mexique. Vous devinez étudier et vous gien 11 ans ici là, vous sont entrepreneur, vous sont acteur, vous sont ingénieur civil. Là vous arrivez dans pays Mexique. Comme un étudiant à l'époque ça pas gien trop noir qui était présent ici là, si tout haïtien qui a passé ici. Comment tu es pays là? Comment tu recevoir exactement? Bon, pour bien dire, normalement, quand nous devons en tant qu'étudiants, et nous devons un bon accueil, et nous devons quelques Mexicains tout, qui font partie de l'école, par exemple, directeur, qui ont accueilli nous dans n'importe là, et qui ont orienté nous comment pour nous fonctionner tout ça. Mais pour bien dire, ça qui n'est pas un gens bizarre et triste à la fois, c'est que nous-mêmes, dix gens qui étaient là, et dans Mexique, n'a pas aidé mon quand t'avais l'ambassade tout ça yo qui t'a reçu voir nous l'en fait venir yo bon paquet pression. OK, comme si mon nan accepter réalité dès que yo saute Haïti gon façon pas supposé vivre dans Mexique. OK, ça yeah, bizarre. Ça comment pour les pression encore en tant que non c'est mon dans ça et nous même là parle dans femme mon yo et puis il dit ou pas si a payo en tant que étudiant pas prend vie en vie grand foko et puis tout nous même haïtien nous gon mentalité fermé tout moun sa yo ba option pour chercher université pour nous dans Mexique. Chercher pi vie université qui dans pi vie zone pour voyer nous. OK,
pourtant gen une âme gen IPN polytechnique yo pa voye nou la yo di ke haïtien depuis ou vo nan gros université yo pa propose cher propose ah OK c'est comme si yo pa appelé une sorte de compétition exactement ici là là dans pays Mexique ensemble avec ça c'est code diplomatique là qui gen mentalité ça exactement okay. C'est que moun yo choisi ti université côté vo nan ti zone fermé depuis ou vo là ou pa faire contact ou pa faire que connexion pour aller et puis l'on finit l'idée c'est pour capable tourner dans pays OK. Comment tu fais pour t'adapter au pays Mexique en tant qu'étudiant ou venu, pour... langue différente, tout ça est différent, non. Culture est différent. Comment tu fais pour t'adapter? Il était venu dans l'école pour étudier l'anglais, mais on te dit ça nous gagne seulement 3 4 mois pour apprendre l'anglais après ça pour aller dans l'université. Il dit les gens sont supposés parler l'anglais pour aller dans l'université et sont pas fait moyen de demander il a coupé boussin il a retourné dans pays. OK. Alors c'était un boost qui c'était un boost nous te joindre tout ça. Joint. OK. Et à la fin, bon, vous connaissez haïtien, nous connaissons depuis notre pays, nous sommes qui remet casé bête nous très performants et mon école vient commencer remet nous et l'école commence remet nous l'école même a dit nous qu'est-ce pour ça c'est dans l'école soit venu pour performance mon gain pour intelligence mon gain capacité nous pour ça c'est l'on venu vous êtes capable au pilote côté même nous même dit pas comprendre ça mais à la fin nous pas j'ai pas parlé pas rien mais nous même nous connaissons qui bonne pour aller nous connaissons qui bonne sortir parfois c'est si pour créer ou tout pour faire chemin ça nous même nous oblige à faire moi-même je commence à étudier dans l'école moyenne là je viens pas c'est par email je dis qu'est-ce que besoin l'école qui besoin bon plus ampleur plus valeur pour l'aime finir pour quand je travaille puis devant non OK je dis moi le changement l'école là je dis pas dans l'école ça je dis pas moi me dit non pays mon pas passer non bonne situation mais dans situation ça me pas fleur là OK mais qui l'aide par ambassade bal tout bas ambassade là pas répond mais mon mexicain répond moi et vous venez changer université vous changez université mais vraiment l'autre côté côté pyramide qu'on a obligé finir carrière et c'est comme ça me commence adapter et puis venir faire un paquet d'amis tout dans Mexique qui aide tout et puis venir comprendre comment le système payant fonctionnait et m'intégrer à 100% et me commence à faire un paquet de gros bagages tout dans Mexique. OK, avant même que nous avancer qui non complet non pas me c'est Anthony Hildney Guerrier. Dans qui sont nous sortis à Haïti? Nous sortis Port-de-Paix. Port-de-Paix. OK. Et il y a un peu de monde qui toujours m'a dit, Léona, comment dossier université pour jeunes haïtiens qui t'avaient venu ici? Soit dans l'optique pour priorité ou dimanche pour étudier. De A à Z, comment pour un monde faire intégrer une université ici? Disons que mon a sorti à Haïti ou dimanche mon a été ici sur le territoire mexicain. Bon, c'est un mal qui est très facile parce que normalement, l'université ici est gratis, non? C'est un bail qui est vraiment bon pile. Elle dit 100% gratis, l'université. 100% gratis, pour jeune bourse facile. Bon, okay. Au contraire, l'offre étudiant en carrière, de pour entrer dans l'université pour faire maîtrise, de pour passer, ou tout gagne bourse. Sans quoi même appliquer pour bourse. Ok. Ou tout gagne bourse, en parlant de UNAM, qui est une plus grande université dans Latino-Amérique, avec Polytechnique, là. De pour entrer là-dedans, il y a tout à payer chaque mois. Elle dit, de pour entrer dans l'université, il y a payer normalement. Il y a payer, il y a son bail même appliquer pour bourse. Oh, mais c'est intéressant. Intéressant. Qui document par exemple? Par exemple là, ou qu'on a ici nous gagne les relevés des notes, nous gagne les certificats, diplôme, reto philo. À l'époque pam, c'était reto philo. OK. Faut que légaliser dans affaires étrangères. Ça est en Haïti. Et pendant Haïti, et faut que gomba les apostille tout pour légaliser dans ambassade Mexique là qui Haïti hein. Qui Haïti. Exactement. Ya. OK. Et puis vos documents ça dans l'école là, l'école même la boyon ba les constancia sont si on qui pour dire que vous inscrivez l'école là, ou faites partie de l'école là, après fini, et pour même vous rentrer l'école là, vous commencez à suivre cours, et puis participer, faire partie membre dans l'école. Ok, ça c'est pour un jeune qui a sorti Haïti. Yeah. Et elle est en ici là par exemple, il est en résidence dans la main, ou quelques documents qui permettent l'illégal dans le pays par exemple. Bon, normalement, il y a une réalité ici en Mexique, les gens qui sont légal dans le pays Mexique, les gens qui ont des documents, étudier les vinn pa wè ça dans tête li OK li plus focus sur ça qui est apprendre bay technique pour capable ou bien mettre business ou bien pour capable faire l'argent cependant j'aime des jeunes qui disent comme ça que yo décider rester Mexique malgré ou t'a pas aller États-Unis ou t'a rentrer entrer dans université à apprendre à étudier un bagage c'est très simple et gesser des cours capable pendant 3 mois au payer courant pour capable faire une examen admission pour entrer dans gros université qui t'a UNAM et puis polytechnique. OK. Ou pas courant parce que c'est des bases, et comme c'est pas difficile vraiment vrai. Nous même nous grand paquet niveau avancé en pile dans question
niveau C mathématiques fait chiffre, OK? Elle dit seulement pour comme si essayer comprendre style ou comment examen présenter, comment vous voyez, pour avoir une idée pour faire examen. Moi c'est 3 mois c'est fait pour préparation et après ça après faire examen ou entrer dans l'université ça très rapide. Ou bien sinon pas veut entrer chaque ville dans Mexique que ça ou les technologique. OK. Ici en une université ou n'a qui en l'air ou une polytechnique là et pour une tech monter qui est déjà privé mais il y a une école technologique publique dans chaque ville yo ou a une qui pas cher qui capable on mettre 2500 3000 3000 pesos mexicains ou payer par semestre qui parce que ça c'est 100 dollars, ça c'est comme dollars américains. Yeah. OK, par semestre pour capable entrer dans examen et pour capable entrer dans l'université ça. OK. C'est mon dossier papier, c'est très facile. Mais sous vente dans gros université comme UNAM, ou vous avez fait examen. OK, prenons le cas qu'un jeune qui t'a aimé venir étudier ici pas une bourse pour venir ici là. Est-ce que l'université va coûter cher? Non, elle va pas coûter cher. Mais là c'est un américain on va le payer là. Non, on va le payer en américain exactement. Je que nous la majorité université ici gratis pour ça on paye. OK. C'est mon frais d'inscription et puis par semestre on paye 100 dollars 150 dollars américains. Okay. Mais grand haïtien connaît vénitien grand université remet à en pile. Des gens privés mais les dans niveau puis capable payer. C'est ça yo les UBM. UBM. UBM haïtien fréquenter université ça en pile. OK. Et c'est plus bagaille psychologie, bagaille social qui là-dedans. Haïtien entre là-dedans en pile. Les privés malgré ça mais Il n'y a pas trop cher que ça. Pour payer très facile. OK, vous êtes venu pour étudier ici, là, par rapport à un bourse que vous êtes joué. Nous, combien vous êtes venu? Bon, par contre, si vous êtes au courant de un programme sous le gouvernement Madel et Matélian, c'était un programme de 300 bourses à essayer de jouer. Alors, vous êtes fait partie? Vous fait partie des premières générations. OK. Et, bon, dans la génération, par exemple, vous êtes fait examen pour être accepté pour venir par Mexique. Mais examen ça c'est des Mexicains qui te fait depuis Haïti. OK. Et chance pour moi même c'était un des meilleurs étudiants haïtiens qui était payant parce que j'ai choisi au moins 5 à 3 étudiants par département. Et dans le département pendant 5 mois ça me fait partie de 5 mois. OK. Et qu'on y a nous fini nous avons le diplôme nous professionnaliser en Mexique. Et notre travail qu'on a en tant qu'ingénieur et puis mettre entreprise, créer entreprise tout. Qui ça fait nous-mêmes tout. Créer comme ça. Par exemple, là, je crée entreprise pour comme si produit alimentaire. Et comme ça, je travaille en conseil avec un autre haïtien qui planté ici en question agriculture. Ok. Bay Mexique manger, on dans tout là. Important. Nous planter, n'a bay Mexique manger et Mexique a travaillé avec nous. Ça mais nous venons un moment, nous on a besoin haïtien pour nous capable bay au travail. Nous pas joindre. Nous pas joindre face pour qui raison? Il a besoin de travail moment. Puis on travaille jeudi hein et puis la semaine ou pas attendre encore disparaître. Ouais, soit joindre là ou aller. Yo aller exactement. Konya ou vinn pas tellement mettre lead et espoir. Exactement. Sur haïtien. Parce que son entreprise liée. Si pas gagne, il ne pas fonctionner. Il ne pas faire fonctionner pour comme. Okay. C'est monde pour qu'il fasse fonctionner. Si mon n'a pas besoin, il ne dit pas de l'aller. Alors, ou plus brancher sur Mexicain qui veut travailler. Mais l'autre nation qui était stable ici là. Qui stable, qui veut travailler. Parce que si je viens dans travail aujourd'hui là, moi pas gagne là-dedans. Son fight lié pour moi. Mais est-ce que là où tu viens étudier ici là, où tu connais, où tu as une idée qu'il va prêter vivre Mexique pour travailler? Non, pour bien dire non. J'ai toujours pensé moi-même tout le monde via les États-Unis. Ah, voilà. L'offre finie étudiant, dépend de ta bêtise, tu as l'idée d'aller aux États-Unis. Pendant ma bêtise, non, je devais finir. Ok. Je dis, je vais finir au Mexique parce que je t'ai payé pour m'étudier. Je dis, pendant le Mexique, je t'ai payé pour m'étudier. Bon, je finis faire une affaire. Mais par contre, il y a Haïtien qui est venu ensemble avec moi. Il y a bêtise, même si je t'ai payé, je t'ai quitté étudiant aux États-Unis. Mais je ne comprends pas le concept pour étudier et payer pour étudier. Faut un petit détail pour ça. Parce que les gens qui sont confus, ils ont étudié, au lieu de payer, c'est payer. Il y a payer, exactement.
Faut expliquer nous comment ça fait. C'est parce que me gon bourse, OK. Yo paye pour m'étudier. Et puis tout, dès pour entrer dans l'université là, ou tout gain bourse sans pas même appliquer pour lui. Elle dit l'état paye a même à payer pour étudier. OK. C'est que son moi son son belle bagarre moi je m'imagine. Non, c'est une grande opportunité. Exactement. Quand on imagine un monde qui t'a étudié, qui t'est pays là, là les États-Unis, pour qui raison pas connaître. Jusqu'à présent, pourquoi ça me connaît pour qui ça? Ça fait combien de temps pour finir la carrière, t'avais étudié? Fini en décembre 2018. OK, et m'tata une grande entreprise espagnole qui fait construction, qui fait gros édifices. Et m'ai d'avoir plusieurs expériences. Après Covid te vinn présenté, tout bail te vinn campé. Mon bouger pas de chita. Bon, j'ai créé. C'est les qui entreprise. Exactement. Ça me dit normalement pandémie, les gon crise, grand paquet d'opportunités. Mais sur chita pour t'en avoir t'a vinn jwenn nou, pas besoin faire. Mon bouger mettre comme d'ailleurs créer un bagaille pendant gen crise là et à la fin, il vinn rapporter mon pile. Alors, si ça fait après pandémie, m'vinn commencer à créer. Et m'a prendre un paquet de bail tout dans moment crise et jodi a capable ça mien jodi a qu'on a voulu aider surtout haïtien qui choisit rester dans Mexique au Konya. OK, et qui ça te retire rêve voir les États-Unis? Est-ce que c'est réussite Covid gain ici là ou fin faire ici là qui te dit beaucoup n'a là pour me choisir m'a rester Mexique m'a voir les États-Unis encore? Bon, rêve États-Unis son rêve jusqu'à maintenant est toujours là, il toujours dans nous. Mais rêve ça. Mais son rêve à l'habiter ou bien à le habiter, visiter, ou bien à l'entreprendre. Qui fait me parler États-Unis encore, c'est parce que après moi fini carrière non. Comme si quoi je dis à l'âme dit qu'elle m'a envie de travailler ça, d'essayer de chercher tel travail. Moi je n'ai très facile. Comme si je respecte moi en tant que professionnel ici, on me dit qu'elle monsieur. Pour respect moi au bon moi ici, si moi aux États-Unis et tout moi on doit pas valider encore. OK. Il ne doit pas valider aux États-Unis ou bien faut moi al étudier notre bagarre encore. Comment commencer à zéro. Et commencer à zéro exactement. Là j'ai montré et là j'ai besoin faire. On dit qu'est-ce que pas chita faire tout le temps ma bêtise que ça. Mais que me connaît ça carré un petit genre personnel mais un professionnel tant pour parce que c'est ça qui peut le motiver mon rester Mexique. Un professionnel tant pour dans domaine nous. Et ben nous un minimum ou bien un maximum de salaire comme ça par exemple parce que là thème l'argent c'est lui qui fait mon immigrer. Exactement. Avec qualité de vie là. OK, avant nous point qualité de vie, salaire, comment salaire aille? Depuis l'on commence à travailler jusqu'à journée aujourd'hui, qui différence salaire au passé ici là? Bon, moi j'ai fait conversion pour par exemple, à l'époque on commençait à travailler en 2019, on a touché 11 000 pesos par mois pour me commencer parce que me pas trop gain expérience. OK. Et 11 000 pesos l'MT value dollars à en dollars dans moment à l'époque, il était capable presque sorti 650 dollars américains comme ça. Okay. Le mois. Mais on connaît ici un cahier pas cher que ça, on connaît là. Alors tu as géré bilou. Tu as géré tout bilou et puis oui, bon que si bon ou grandit très bien, non? OK. Mais de temps en temps dollars passé monter tout. L'aime vient commencer que expérience qu'on a prime sur marché a vient monter. Un exemple. Exemple qu'on a vient à faire de 650 dollars américains viennent passer à 1200 1300 dollars américains par mois. Les mêmes valeurs peso. OK. OK. Mais moi son prix qui valable pour moi qui professionnel qui a expérience dans Mexique. Parce que il y a monde qui a 20 ans, 15 ans tout déjà fait. Mais gon bail dans Mexique. Ou quand déjà fait cob pour vivre, pour payer bill. Mais si tu veux gagner comme réellement vrai pour faire un bail pour tout, tu es obligé de créer un bail. Créer business. Et ça fait quitter la partie professionnelle qu'on a. Créer business qu'on a. OK. Alors, et 1200 dollars américains, c'est maximum comme vous faites dans la profession par mois. Dans quelle époque on a parlé là? Ça fait longtemps? Oui, ça a gagné. Comme on a business qu'on a. Et qu'on a parlé en époque 2020. OK. Et 2022 jusqu'à présent. Okay. OK. Et qu'on a l'envie d'entrer dans le business qu'on a ou dépasser deux trois fois ça laisse. Exactement, on a bien entré dans le business qu'on a boy et moi qui chef tête moi qu'on a. Business marché assez bien ici là. Là nous faire pour le marché même. OK. Nous créer pour le marché et puis tout.
Donc on travaille avec nous. Et puis dans question acteur à tout en tant qu'artiste. Ou entrer là-dedans. M'entrer là-dedans. Mais il n'est pas fixe. Il n'est pas fixe. C'est comme c'est un hobby. Pas projet, ok. Pas projet, je travaille. Mais comme ça tellement passé très rapide pour moi dans le moment. Je sens que j'ai une préparation qui manque gain, mais ça vient de grandir rapide. Et quand on vient faire on parle de gros fréquentation, gros expérience. Là, on fait film avec Jimmy Jean-Louis, il y a plusieurs autres acteurs Hollywood. Elle dit pas seulement son entrepreneur ou une profession pour vivre, mais aussi ou un hobby qui sont notre profession tout comme acteur. Parce exactement. Que ici, là, je n'ai pas acte. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, j'ai longtemps, ouais, on a un feuilleton mexicain, parce que grand peu de monde qui pas connaît Mexique, c'est un pays qui lidait dans le dossier feuilleton, les feuilletons jusqu'à présent. Jusqu'à présent, dans exactement. Dans la série feuilleton, alors, et ou bien chance participer dans quelques feuilletons ou du moins oui. Seulement dans le cinéma. Feuilleton, bon, on participe, même participer dans la série. Ok. Par feuilleton, il n'y a pas tellement cherché noir qui s'est approché là-dedans. Novelas, yeah, okay. Ici, hein. Pas facile pour jouer noir. Ou quand noir, oui, mais il faut jouer un petit wall. Un petit wall simple, mais il ne faut pas tellement rester dans l'écran. Exactement. Mais, dans la question, publicité, je fais pile publicité. Pile publicité, oui. Là, je dis des publicités, on parle exemple pour Google, je fais publicité pour Google. Et dans un site là, oui, c'est là qui est bureau Google. Exactement. Ça veut visiter lui. Nous avons visité Google. Yeah. Et pour bière, servir sa modèle, son bière américain. Bière mondiale. Il n'y a pas bière qui plus distribuée dans le monde. C'est une recherche qu'on a fait dernièrement. Et puis, Heineken tout. Heineken, c'est pour ici. Non, Heineken n'est pas pour ici. Mais le modèle, c'est pour ici. Je fais publicité pour Heineken. Et je fais tout ça sur la page Instagram. Oh, mais c'est intéressant. Comment vous avez joué sur le réseau? Bon, je vais vous dire en tant que non-acteur qui c'est Tony G. Tony G. Tony okay. G avec THONYG07 sur Instagram, c'est là que j'ai tout profil ça qu'on fait déjà. En tant que acteur. Et comment on les baille ça? Et quand ça me vend tête, moi, comme c'est une page professionnelle liée okay. Instagram. Et c'est là que filmographie, ou, voilà, je viens de voir. Filmographie, ou c'est là où je viens. Ok, yeah. Et. Dans tout le temps ça qu'on gagne dans le pays du Mexique là, qu'on est, ça c'est un sujet qui est vraiment de vitale importance pour le monde qui a immigré, surtout haïtien, qui n'a pas encouragé à rester ici là. Exactement. Dans tout travail, business, qui sont réussis ici en termes de biens matériels. En termes de biens. Qui sont possédés actuellement là. Richesse ou, dans combien nous avons évalué? Bon, on dit que c'est de biens que vous voulez faire ici. Hein. Ok, je vais expliquer plus devant la raison qui fait que je veux faire bien ça. Yo. Et tant que la game qui choisit acheter caille pour vivre, je me dis que je vais gagner un pari pour m'acheter caille là, je vais créer un bar de café, mais je préfère générer ça au lieu actif. Parce que au lieu de faire une dette comme si je n'ai pas de caille, et puis ma force de travail, ma paye ça pendant 15 ans ou bien 20 ans, qui ne parle pas de faire plus, je préfère gérer un actif comme si j'ai un business. Et business ça capable même lui même capable payer caisse OK et ça fait moi plus pas choisi beaucoup faire bien même qui me faire bien quand même dans Mexique ça veut dire pour que caisse dans Mexique dans 11 ans non mais on gagne véhicule on passe plusieurs véhicules déjà exactement OK alors machine que nous saute là-dedans c'est machine pas c'est machine pas machine personnellement OK il y a monde qui pose une question Léona combien une machine ca coûter selon max selon modèle selon année bon tout profiter poser question ça pour aider parce que les moun yo poser une question même pas comment acheter machine ici on pas vraiment répondre moun yo question OK bon notre explication comment moun ca acheter une machine ici bon normalement pour acheter machine ici de pour être légal ou permanent ici et avec petit carton on capable faire crédit OK mais système crédit ici en étudiant différent. Ça, c'est un autre thème à part, non? Ok. Donc, pour moi, je suis en guettant et puis je suis en stable, je suis bien positionné tout bas ici. Il était facile pour moi de gagner un crédit. Alors, machine, ça, c'est crédit ou acheter? Oui, je ne dépense pas crédit. Je suis en pile? Je suis en pile déjà. Parce que ça me suppose que le mois, je suis en plus sur lui toujours pour que je suis en pile à temps. Et à la fin, dans 3 ou 4 ans, machine, moi, c'est une machine tout neuf que je suis en là. Parce que la raison que j'ai machine dans tout neuf, les mal dans deuxième main, les moins pris machine deuxième main avec ce qu'on fait payer, les évalue li avec machine neuf là, pas grand grande différence. Me dit fuck, on le mal achète machine deuxième main, on connaît non titre qui va venir un problème.
OK? Ni pour faire master neuf et me connaissais mon cap premier propriétaire machine ça et qui puis grand pile avantage sur lui toujours plus que ça dans question mécanique bah ça on peut faire prendre tout neuf. Combien qu'on l'écoute ou? Bon, m'a bay pris en pesos mexicains parce que après c'est nous capable évaluer. Machine ça coûtait 370 000 pesos. Qui marque, qui modèle, qui année? C'est Kia Forte année 2023. Quand nous en 2024 là, elle dit qu'elle a gagné un an. Elle dit c'est dans prix ça moi t'acheter. Jusqu'à présent ou du fin, ou plutôt du fin pile parce que ou un petit genre accéléré paiement. Accéléré paiement pendant au même temps travail paye non 2 ans mais 3 ans, me fait tout ça possible pour me payer pendant un an. Pendant un an que tu fin pile pour la machine nous. Et complètement pour complètement vous-même. Pour moi-même net. OK, ça c'est vraiment intéressant. Oui. Et vous dites que ça soit entrepreneur ou préférez investir dans actif qui va acheter un caï mettez là. Alors ici là par exemple, comment qu'a gagne une idée de combien cob yon caï ka vendre soit crédit ou bien cash. Mes amis nous venons là appeler là. La n'a pas obligé accélérer. La marche rapide. La marche rapide. Nous venons bon. Appeler là. Là on parle que américain, OK. Jacques Mzimonyo. Nous travaillons dans la question comment elle est là. Vous m'avez parlé, vous m'avez parlé. N'a pas couru. Dans la construction. Vous m'avez belle petite caille moderne ici, dans le côté zone résidence. Vous capable d'acheter à 2,5 millions, 3 millions. OK. 3 millions de pesos. Est-ce que vous avez 1 million de pesos, par exemple, en dollars américains? Bon. Dans ce moment-là. Et dans ce moment qu'on a 3 millions, je vous dis, jeune. Parce qu'on 100 ou bien 200. Bon, que moun yo fait conversion parce oui, que nous multiplier 3 millions par 18. 18. La banque nous est pris en dollars. En dollars. Mais belle grande caille qui gagne 3 douches. Trois chambres à coucher. Cuisine. Cuisine complète. Belle la salle complète. N'a pas une interview après. Caméra mouille. La mieux barre nous. La plus barre nous. Yeah. Bon, mes amis, la plus te barre nous. Ensemble avec Anthony, nous sommes dans le parc américain dans Santa Fe. Et bien, nous sommes venus là, dans un complexe et appartement qui est là. Bon, faut que tu montres nous. Paquet difficile dans cette zone là. Et vous évaluez l'appartement là plus ou moins qui a coûté 2 millions à partir de 2 millions de pesos. 2,9 millions. Normalement, chacun a fini pour être capable. Oui, nous avons parlé de conclure partie appartement ici. Ça, c'est un exemple. OK, on est capable là au louer un étage, ça au louer un appartement au étage. Il y a un espace pour la cour et puis tout grand salle pour faire fête, une salle pour faire fête, conférence, piscine, il y a un gym tout là qui me fait sport. Elle dit où se toi à l'aise pour vivre comme ça. Elle sont petit comme ça on est capable louer ici hein ou bien hostel. Vous passez un bon petit moment ici. Oui, mais il y a un espace que vous pouvez acheter terrain en dehors de ville là. Oui, il y a un espace pour acheter terrain. Vous pouvez construire propre caillou. Pas forcément, vous pouvez acheter un caillou, vous pouvez construire tout. Vous pouvez construire tout, exactement. OK. Et nous avons été dans qui pour un monde qui a un caillou, par exemple. Un caillou normal. On ne parle pas de l'appartement, on parle de un caillou normal, un terrain, un caillou. On parle de faire de 2,5 millions à 3 millions. 2,5 à 3 millions de pesos pour construire ou dis-moi s'acheter un. Non, pour acheter tout fait. Pour acheter tout fait. Yeah. Mais la coûte au moins sous construire. Oui, ça coûte au moins sous construire. Yeah. Mais parfois, on n'a pas construit, parfois, comme il faut avoir un liquide. Quand on est ici en tout temps, dans le real estate, on surplus, on comble qui est trop pour. Et puis, on acheter pour construire de temps en temps, la chose est plus bas prix. Plus bas mais si on n'a pas un comble, si on ne pas le faire, on peut acheter, tout construit. Parce que soit c'est terrain et pour louer, on caille pour vivre. Et pour construire encore de temps en temps. Pour le dépenser plus. Pour le dépenser plus. Yeah. Parce qu'avec le temps, soit construire pendant 3 ans, 4 ans, et on fait 3 ans, 4 ans, on paye yon loué. Interview ça a fait dans 3 phases. Nous commençons dans la machine, nous sommes dans Santa Fe. Comment est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une zone qui est tout près de Polanco. Polanco, c'est une zone riche toujours. Zone riche toujours. Mais partie, ça sont partie média, c'est-à-dire classe moyenne. Classe moyenne. Classe moyenne. Les tout pour avenue Révolution, c'est côté ça nous là. OK. Est-ce que dans 11 ans que vous gagnez ici là, vous capable de conseiller un haïtien rester chercher opportunité ici, surtout au niveau des professions par exemple? Ah mon cher, imagine, si vous avez fait 11 ans là, même que les premiers 4 ans, 4 ans, 4 ans, c'était études, mais après vous avez fini 4 ans, vous avez dit, qu'est-ce que vous avez fait aux États-Unis?
Mais chance pour moi, me faire demande visa, me donne visa, mal États-Unis, les mouvé, c'est demain tête comme ça. Bah, j'aime moi situation petit quête, Mexique, tu m'as vivre bien. Je sais m'a vivre non, on monte aussi classe moyenne ici en Mexique. Et dans ce style ça me considère moi-même. Mais États-Unis, et pas besoin faire fou là et parfois tu pas veut monter tout ça m'a faire ici sur les réseaux sociaux, pour question et sécurité et puis pour privatiser pas tout. Mais les mal États-Unis moi gon stress. Mon pour vivre, l'obligé gagner 2 à 3 jobs ici. OK? Et m'a parlé des États-Unis. États-Unis. My wife famille, my wife amis, il va même gagner temps pour. Faut que lever matin là courir, faut le travail, elle tourne encore, elle repose, elle mange bagaille, n'a se faut le tourner faire l'autre job encore. Me dit waouh, gardons rythme vie mon n'a gagner. Pendant cette ici là ou gagner temps pour faire tout ça gros besoin. Malgré au travail ou bien faire l'autre activité. Exactement. Et puis parfois tu capable gérer temps pas. Alors vous connaissez ça intéressant parce que ou dit comme ça que ou senti dans classe moyenne dans pays Mexique, un grand pays dans comme Mexique. Ouais, parce que dans niveau comme entre le mois ça c'est dans classe moyenne. Comme ça puis là, bon exemple. Mon va pas ban un chiffre de plus ou moins. Bon, pas ban un chiffre exact. Pas bon exemple, arrête imaginer. Gros business, m'étais commencé entrepreneur, m'inviter quelques amis qui États-Unis pour participer. Et puis les mêmes autant je dois supposé bail. Me dit pour commencer on a besoin 100,000 pesos, non? OK? Je dis, je vais faire 100 000 personnes moins. Est-ce que je vais commencer? Je dis, oui, pas un problème. Les temps arrivent pour me faire 100 000 personnes, ils évaluent, ils sont presque 10 000 à 20 000 américains. Je suis gâté, je vais faire tout comme ça en seul coup. Non, pour le business. Bail pour la gagner dans business. Parce que le système est assez presque crédit, crédit. Et puis, comme ça en seul coup, il y a un paquet de bail de café avec. Je vais dire en pile, OK? Pour ne pas faire l'autre café de dollars. Mais comme ça, je me suis réfléchi en pile. Avant le facile. Je me dis, qu'est-ce que ça me s'est passé comme ça? Parfois, je me suis compris que tout parce que nous avons un paquet de billes à payer et le bagage. Et même si ici dans le Mexique, nous payons l'assurance machine, nous pas année ici. Moi, ce n'est pas année que je paye l'assurance machine. L'autre bois, ce n'est pas moi. L'autre bois, ce n'est pas moi. OK. Et le Dominicain, ce n'est pas année tout. Pas année. Je paye année, je me mets dette et puis bah, stress machine sur tête. Moi, je finis avec ça. Mais l'autre bois, ce n'est pas moi. Chaque mois, il faut que je compte. Il y a plus de billes que ici. Là. Exactement. Et ça fait me essayer comprendre mon dans tous les autres bois comment système là. Mais ici qu'on fasse un géo pour vivre normal. On dit comme ça qu'on gagne visa américain. Est-ce que c'est difficile pour être capable de venir? C'est pas difficile parce que je travaille ici et puis m'étant plus bas me faire les malais, mon regarder toute histoire à moi comme si story me gagne depuis tant de là jusqu'à nos jours. Ah, si me d'aller déjà me t'appuie t'aller. Oui, ou t'as bien temps passé pour un couloir illégal. Et comment ça consulant dit? Et c'est intéressant pour ton qui est ici hein, et puis il est en connaît j'ai ici à bombarder pour aller ils disent ou même pour son pas choisir l'aime revenir à l'aéroport Dallas l'aime fait premier voyage moi dis haïtien qui sorti Mexique et dit qui va venir Mexique il dit ou mais Mexique pour ça va venir là il dit non quand j'ai mis à me sentir mal à l'aise je me sens libre mon liberté moi. Il dit, waouh, intéressant, on va essayer de venir aux États-Unis. Non, mais dans 11 ans, on construit une vie ici. Je suis en bonne vie, exactement. Je suis en construit une vie ici. Et c'est même mon allié étonné. Parce que lui, il m'a dit, ça, ok, il va me passer, mais ce n'est pas les Français, pas la même tout bas. Ça. Les sont haïtiens qui forment. Ils sont haïtiens, j'ai dit ici, ils sont haïtiens Tchingoun qui sont dans le Mexique. Tchingoun. Intéressant. Alors, je pense que dans la deuxième occasion, on a bien plus de choses pour nous parler. Et ben, nous avons un nouvel espace. Pour poser question, ok, attendez bien mon yo, poser question à Tony et puis tout n'a fait une deuxième partie pour nous répondre à quantité de questions qui nous trouvaient qui important dans phase interview. Ça merci d'être côté choisi et partager et expérience dans grand partie ici dans le pays Mexique sur la plateforme Léo Nation parce que vidéo ça pourrait servir y a un paquet de monde. Non en pile barrage ça va me dire mon yo, les haïtiens qui dans pays étranger qui ailleurs qui font paquet de gros bout de barrage. OK, pas seulement haïtien qui est aux États-Unis qui est aux États-Unis tout ça. Mais Mexique, ça fait nous même nous créer bon moral. Bon moral. Pas ça. Nous capable suivre nous c'est une membre créateur et communauté ça dans Mexique, capable une communauté fondée. Même si on y a shooté haïtien tout côté dans pays là, mais Mexique nous bien besoin une qui bien fondée. OK, c'est pour ça nous créer tout haïtien qui a fait gros bagarre dans Mexique en tant que avec nous. Parce que nous avons pour promouvoir tout
avec pas ça. Yeah, nous allons faire promotion pour tout le monde qui a fonctionné, des professionnels qui ont business, qui viennent étudier tout ça. Exactement, étudiant tout. On monte tout qui t'a mis travail, on montre comment processus, comment route là est propre, arriver chez nous. Enfin, on a orienté mon. Exactement. Okay. Bon, mon rail, c'est pas seulement montrer mon zone touristique, mais aussi former et orienter. Et des jeunes haïtiens aussi. Et je suis vraiment content de collaborer avec nous. Et je vais inviter tout le monde à le suivre, bon, mon rail, sur toute plateforme. Yo. Et puis, parce que c'est là que nous avons fait l'interview. Ça, dans la deuxième partie, nous allons répondre à une question que nous allons poser. Parce que question qui ne doit pas venir mal idée, mais nous qui tendent des sorties, c'est l'expérience sur le site. Il y a posé question et puis il a fait une deuxième partie dans l'interview. À l'aise, sans problème. Tout ça, nous mesure qu'on est, contactez Léonard Show parce que Léonard Show, tout côté. Tout côté. Et puis bon moi et tout, a fait suivi pour nous. Ok. Quittez un commentaire et puis tout après, dans l'autre vidéo. Pas oublier ça, c'est Léonard Show, la vie haïtienne dans le pays Mexique, mais ça, c'est la vie haïtienne dans le pays Mexique qui est nettement différent. Je aime toujours dire, le Mexique pas maintenant différent. Nous avons venu dans le Mexique pas nous. Bon, Mexique pas nous, quoi dire parce que vous faites partie. Nous faire partie. Nous faire partie. Venez dans le Mexique pas nous, qui est nettement différent. À la prochaine. Yeah.